reprise. Bonjour les amis, alors tout d'abord merci pour vos nombreuses marques de sympathie, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je suis sorti de l'hôpital avant-hier, j'ai subi une opération chirurgicale qui est bénigne, hein, aucun souci. Le seul problème c'est que j'ai des suites post-opératoires pendant 4 à 6 semaines qui vont me forcer à réadapter mon entraînement perso. Alors ça ne sera pas la première fois, mais bon, c'est l'occasion de cette petite vidéo parce que ça m'a amené une réflexion personnelle qui est celle-ci. En fait, l'entraînement pour moi a toujours été un acte de libération. Comme dans la vie, il y a de nombreuses ornières, hein, et notamment psychologiques, vous pouvez arriver à un point où l'entraînement vous a servi, c'est-à-dire vous êtes complètement dépendant de votre passion. Et ça, c'est très dangereux, parce que le jour où on vous l'enlève, il ne reste pas grand-chose. Donc il faut toujours œuvrer dans le sens d'une libération plutôt que dans le sens d'une aliénation. Le truc est là, c'est qu'on est tous plus ou moins aliénés. Vous êtes aliénés parce que vous allez concentrer votre énergie et votre relation passionnelle à une certaine forme d'entraînement, un certain type d'entraînement. Vos produits, par exemple, hein, c'est clair, quand on voit par exemple un bodybuilder, le type, c'est bon, une pharmacie ambulante, quand il se promène avec son épouse le dimanche sur une brocante et qu'il a oublié ses blancs de poulet et sa ration de riz, par exemple, il va devenir fou parce que ce qu'il va devoir manger sur place, ça ne va pas lui convenir, etc. Donc en fait, il est dans une situation totale de dépendance. Voilà. Vous êtes dépendant par rapport à un certain type de mouvement, tout simplement, que vous adorez faire. Je sais pas, moi, un karatéka qui va adorer travailler avec ses jambes, le jour où il se casse une patte, comment il fait, quoi? Psychologiquement, il y a un gros problème, hein. Il va falloir qu'il se réadapte, etc. Vous êtes dépendant de votre matériel, hein, puisque vous avez, je pense notamment au développé couché, le fameux développé couché, hein, en musculation. Le lundi, hein, en général, c'est le lundi, voilà. Donc, et là, si vous n'avez pas la bécane qui va bien avec les bons poids, ça va pas, vous allez rater votre séance et vous ratez quasiment votre semaine. Donc, en fait, l'idée, c'est de se libérer de tout ça. Il faut être complètement adaptable pour pouvoir rebondir, réagir face à l'adversité. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours été personnellement très attentif à ça. Je suis tombé dans tous les travers, hein, comme tout le monde. Hein, voilà. J'ai eu de nombreuses blessures qui m'ont empêché de bouger, hein, à une certaine époque. Psychologiquement, il a fallu que je gère le truc. Quand vous pratiquez un art corporel, vous avez toujours plein de possibilités de réadapter. Hein, même si vous avez des capacités motrices qui sont limitées, travailler la proprioception, et puis vous avez un cerveau aussi, donc travailler des capacités mentales, vos capacités mentales, de concentration, etc. Et puis vous pouvez aussi reporter votre attention. Donc moi perso, j'ai toujours fait ça, je suis quelqu'un qui fonctionne par passion. J'ai différentes passions, dont l'entraînement physique, mais c'est pas la seule passion. Donc je me suis souvent très tôt posé la question de me dire si je me casse une patte, comment je pratique mon art qui est le karaté? Il me reste les mains, hein. A priori on peut travailler avec toutes les parties du corps en karaté, donc il s'agit de pouvoir développer d'autres capacités. C'est l'occasion toujours effectivement de laisser de côté un petit peu ces spéciaux pour essayer de travailler des choses différentes, hein. D'ailleurs, il me revient une anecdote à ce propos-là. Lors du premier championnat du monde, il me semble, au Japon de karaté, qui a été remporté par Kanazawa dans les années 60, il s'est fracturé une main juste avant la finale. Et il y a maman Kanazawa qui était sur le banc à côté, hein, et qui lui a dit juste avant d'aborder la finale, mais il me semble qu'on n'utilise pas que la main droite ou que la main gauche en karaté. Hein. Sous-entendu, tu as plein d'autres possibilités de pouvoir éventuellement gagner le match. Voilà. Donc ça c'est un bon message. Hein. Voilà. Donc très tôt, moi je me suis posé la question, effectivement, et si je perds ma main gauche, comment je fais pour jouer de la guitare? J'aurai ma main droite pour dessiner, éventuellement, si je ne réussis pas à réadapter le travail avec l'autre main. Les jambes, pareil, les bras, enfin, il y a toujours possibilité de reporter. Alors,
Le premier step, c'est déjà de ne pas être dépendant, dans le cadre de votre activité, d'une forme de pratique spécifique. Voilà. Votre spécial, c'est ça, vous avez toujours envie de le bosser, ben non, ben, essayez de travailler d'autres choses, de travailler différemment. Ne soyez pas dépendant d'un accessoire particulier, travaillez à votre libération, voilà, et non pas à votre aliénation. Ensuite, la deuxième chose, c'est de développer le feu qui vous habite, cette passion qui vous anime. Elle s'exprime à travers différentes choses, elle peut s'exprimer à travers différentes choses. Donc bah, il s'agit de très tôt développer différentes passions. Comme ça, bah, vous, quand vous avez un problème vraiment qui vous cloue au sol, et bah, vous reportez hop, sur autre chose le temps que ça passe. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être toujours dans la liberté et la libération de l'individu. Voilà. Donc arrêtez de vous nourrir avec vos psychoses. Il y a toujours moyen, lorsque vous êtes blessé, de travailler différemment, de développer d'autres capacités hein, qui sont un peu en friche dans le domaine de votre art, hein, dans l'entraînement, dans votre art corporel ou votre art tout court. Et puis si ça ne fonctionne pas momentanément, bah, vous avez la possibilité de vous reporter à ce moment-là sur une autre passion qui va vous permettre de passer le cap. Voilà, donc c'était un petit peu le message du jour, travaillez à votre libération et non pas à votre aliénation. Voilà, profitez bien, la vie passe vite. Entraînez-vous, jouissez de la vie, profitez et puis faites de belles choses le temps qui vous est imparti sur cette terre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.